Ateliers numériques accompagnent les artisans de la... mettant en place des actions notamment
en aide au développement et que la colonisation avait freiné. Le néocolonialisme se décline à plusieurs approches en liant en place un contrôle militaire officiel. La France utilise des prétextes humanitaires et démocratiques pour justifier la présence militaire en Afrique. Les révoltes sont écrasées par des méthodes contre les insurrections, l'usage de la propagande, des guerres permet d'obtenir le consentement des populations occidentales et fait de ces fins les médias liés aux intérêts des grandes entreprises exploitant et vendant déjà en grande partie les événements où la responsabilité de la France est directement concernée. D'autre part, des accords commerciaux avec les dirigeants faisant usage de la corruption, voire notamment la France-Afrique, des méthodes financières pour générer et entretenir une dette congée qui dénonce le comité pour l'abolition des dettes et inégalités de façon relative au budget de l'économie et de culturel. L'appel ainsi les pédalistes culturels afin de nominer des pays moins puissants comme mon pays de Mali. Tous ces raisons qui ont poussé à aller à Montpellier, à notre contre-sommet France-Afrique. Pour finir, les 5 de Montpellier ont besoin d'un large soutien des 400 organisations signataires de l'appel de la campagne nationale anti-raciste et solidarité. Les 5 de Montpellier ont besoin de signer à l'ensemble des collectifs sans papier dans la marche de solidarité. Les 5 de Montpellier ont besoin de signer aux d'autres luttes contre le racisme, collectif de familles de victimes de violences policées, collectif d'exilés dans le cadre de la marche, dans le cadre de la campagne anti-raciste et solidarité. Les 5 de Montpellier ont besoin d'une vague de solidarité contre les racistes d'État. Avec la campagne nationale anti-raciste et solidarité, nous serons tous là pour briser les oreilles d'Éric Djibou, Marine Le Pen. Soutenir par les 400 organisateurs signataires de l'appel à manifester le 19 mars, on sera là. Pour virer de façon et de façon en français, en sénégalais, pour rétablir le droit de manifester, on sera là. Aux côtés des réseaux des familles victimes de violences policières, on sera là aussi. Aux côtés de Fatou Tcheng, Zari de Lamine Tcheng, on sera là. Mardi, le 22 mars, à 19h, à la Bourse de Travail de Mondrail, pour suivre la campagne Montroi anti-raciste et solidarité, on sera là. Le mercredi 23 mars, à 18h, au foyer Robespierre, pour s'auto-organiser avec aller combattre la préfecture aux côtés des syndicats, on sera là. Vendredi 25 mars à 12h, place de Kambita, soyons massifs pour présenter nos soutiens au grand cercle, la CSP 20e contre la préfecture, le CSP Montreuil, on sera là. Pour soutenir par tous les moyens possibles et nécessaires les grévistes Chronopost, DPD, RC, on serait là. Pour hurler à Calais, à toutes les frontières, notre arrêt du tue de l'humanité contre les réfugiés ukrainiens, maliens, afghans, soudanais, on serait là. Le 2 avril, on serait là aussi. Pour faire taire les racistes, envoyer les fascistes au front de Drou. Le 19 mars, aux côtés de centaines de milliers de personnes, on sera là. Merci. Bravo à tout le monde. Bravo. Tous les mots, toutes les langues, tous les vocabulaires ne suffisent pas pour décrire la souffrance
et sans papier. La répression doit cesser, l'exploitation doit cesser. La poule au ventre, c'est eux qui doivent avoir la poule au ventre. La honte, c'est eux qui doivent avoir honte. La honte doit cesser. Donc on enchaîne avec la prise de parole de notre camarade. Bonjour, je m'appelle Marine et je viens vous parler de Michael qui est décédé le 10 janvier 2021 à Nice à la suite d'une course-poursuite avec la BAC de Nice. Ils ont commencé à le poursuivre parce qu'il était dehors après le confinement et surtout parce qu'ils connaissaient déjà Michael, parce que Michael avait déjà été victime de violences policières. Ils se sont lancés dans une course-poursuite effrénée à plus de 150 km/h. Michael, il était sur une KTM, je ne sais pas si vous imaginez. Michael, il est décédé dans le tunnel Lyoto à Nice. Vous savez qu'à Nice, Christian Estrosi ne cesse de se vanter de ses caméras. Il nous explique jour et nuit qu'il y a des caméras partout dans la ville de Nice. Mais les caméras du tunnel Lyoto, on les attend toujours, les images. Les images, on ne sait pas où elles sont et apparemment, il n'y en aurait pas. Je pense aujourd'hui très très fort à la famille de Michael qui n'a pas pu venir. Je pense à Cyrine, sa compagne, je pense à sa maman, je pense à ses sœurs. Je pense à son frère et je pense à tous les proches qu'il a laissés derrière lui, qui se battent dignement, qui sont très humbles depuis cette perte et qui font face à des pressions de la part de la mairie de Nice, je le dis ici, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, j'aimerais qu'on pense aujourd'hui tous et toutes très très fort à Michael et on attend son procès avec impatience en espérant que la justice et que la lumière soient faites sur les conditions de la mort de Michael, puisqu'une enquête menée par son avocat a démontré que la voiture de la BAC l'avait tout simplement serré dans le tunnel et c'est pour ça qu'il a perdu l'équilibre et qu'il est tombé et que donc il a perdu la vie. Voilà, et je pense aussi très fort à Geneviève Leguet qui a été victime de violences policières le 23 mars 2019 à Nice lors d'une mobilisation Gilets jaunes et son procès arrive avant la fin de l'année et on espère qu'elle obtiendra justice elle aussi. Elle et tous les autres et toutes les autres. Merci beaucoup. Jacques Hittet du CSP Saint-Just. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Au nom du collectif des sans-papiers du 17e, le CSP 17e Saint-Just, je tiens à vous remercier de votre présence de cette lutte. Et je pense qu'on n'a jamais aimé, on n'a toujours plus oublié que la politique utilise l'immigration comme le seul sujet de leur programme. Nous sommes là, on vit ici, on travaille ici et on résiste. Que la lutte continue, soyez nombreux sur le terrain. Comme je viens de vous le dire, on ne sera jamais au sujet de politique. La seule situation contre les frontières, c'est de dépasser la frontière. Il n'y a pas de limite. Le monde est créé dans l'immigration et le monde va vivre dans l'immigration. Nous n'entendons jamais qu'on soit le sujet dans la politique. Nous avons vécu dans. Pour vous, depuis la situation, au nom du CSP, encore une fois de plus, je vous remercie d'être présent et d'être motivé dans la journée à venir. Que la lutte continue, bonne soirée, pour saluer tout le monde. Merci beaucoup. On va limiter les prises de parole à 19h. Et pour la police, on va dispersée. Thank you.
Je vais dire que c'est une bonne parole là, je vais te dire que c'est une bonne parole. Non, je vais te dire que c'est une bonne parole pour nous parler de tout.